Intéressons-nous donc à cet arbitre, on l'a dit, déjà suspendu en 2018 par la CAF pour des soupçons de corruption. On plaide quoi aujourd'hui, l'erreur humaine ou la malveillance ? Non, je pense qu'il faut, je pense qu'on est plutôt jusqu'à preuve du contraire dans l'erreur humaine, parce que c'est vrai que depuis 2018, il est un petit peu dans le dur, mais avant cela, il avait un parcours, on va dire, plutôt bon, puisque c'est lui qui a arbitré la finale de la CAN 2017 et il était sélectionné parmi les arbitres africains pour la Coupe du Monde en Russie. Donc je pense que c'est une erreur humaine. Je pense qu'il est, il s'est trompé aujourd'hui. Je ne sais pas, ça doit être effectivement, il y a des chances que ce soit la chaleur. Il n'ait pas arrêté son chronomètre pendant les pauses. Mais moi, plus que l'arbitre, bon, l'arbitre, il y a une faute, mais moi, ce que je trouve le plus regrettable, c'est qu'on ait demandé aux équipes ensuite de revenir. Ça signifie qu'effectivement, ce troisième appel, pour moi, n'était pas bon. Et je pense que c'est cet entre-deux qui est caractéristique de la Confédération africaine de football, c'est celui-là qui doit changer, parce qu'il faut entériner les erreurs. Il y a eu une erreur, elle a été entérinée. On n'attend pas que les joueurs partent, que les entraîneurs soient déjà en conférence de presse pour leur dire « Mais attention, non, vous devez revenir pour jouer parce que vous n'aviez pas terminé la rencontre. » Donc effectivement, ce qui est quand même terrible, c'est que d'avoir vu qu'il avait arrêté le match à la 85e minute, il y a des oreillettes, il y a des arbitres, il y a plusieurs arbitres, il y a des arbitres VAR. Donc quelque part, on aurait pu lui dire « Attention, on n'est pas dans les délais et on a encore du temps. » Mais finalement, personne n'a parlé. Et donc voilà, il arrête parce que finalement, même le deuxième arrêt, on parle d'arrêt de jeu, mais le deuxième arrêt arrive, c'est 89 minutes 40 secondes. Je veux dire, il y avait encore le temps. Donc, je pense que l'erreur a été faite. Il fallait que la CAF assume cette erreur plutôt que d'essayer de repousser l'erreur sur la Tunisie qui ne serait pas revenue pour le match. Xavier, sportivement, est-ce que les Maliens ont mérité cette victoire, oui. Courte victoire 1-0 ? Totalement, parce que autant la fin de match a été compliquée pour le Mali à cause de toutes ces coupures, mais surtout parce qu'ils se sont retrouvés réduits à 10 par l'exclusion d'El Bilal Touré, l'attaquant du Stade de Reims. Mais lors de la première période, ils avaient été largement au-dessus. Et puis surtout, ce qui m'a plu dans cette équipe du Mali, c'est qu'ils ont joué vraiment l'attaque. C'est une équipe extrêmement séduisante, alors que les Tunisiens, avec leurs 5 défenseurs et leurs 2 milieux défensifs, ils n'avaient que 3 joueurs offensifs. Ils ont vraiment joué le béton, le contre. Ils se sont retrouvés logiquement menés en début de deuxième période. Après, ils ont dû produire du jeu, mais ils auraient dû le faire avant. Donc la victoire du Mali, à l'arrivée, elle est quand même méritée.